Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle partie de My Own Army. Pour cette vidéo, je ferai face à un youtubeur incontournable dans le monde du wargame et des jeux de figurines, j'ai nommé Michael de la chaîne Iggy TV. Évidemment, le lien de sa chaîne YouTube se trouve dans la description de la vidéo. Il incarnera les Exobots, une armée d'androïdes réutilisant des figurines de la gamme Lego Exoforce et rappelant fortement la faction des Necrons dans l'univers de Warhammer 40 000. Pour m'opposer à lui, j'utiliserai mon armée Space Marines, majoritairement composée de pièces Lego Nexonite et rappelant sans complexe les Salamanders, une sous-faction de Space Marines présente là aussi dans Warhammer. L'invasion des Exobots est imminente. Les Space Marines doivent faire face à un ennemi qui attaquera en masse. La mission de chaque antagoniste est de tenir le plus d'objectifs stratégiques possible durant la partie. Car à la fin de chaque tour, les joueurs marqueront un point de victoire par objectif en leur possession. Ce ne sera pas simple pour les Space Marines, car pour chaque unité d'infanterie Exobot détruite, une autre sera déployée au début du tour suivant. Ces troupes ne possédant qu'un seul point de vie par figurine, elles risquent de tomber bien plus vite qu'on ne le pense. Les troupes à pied des deux camps seront appuyées par des véhicules lourdement armés. Mais pour les Space Marines, il faudra patienter avant de pouvoir bénéficier de cette force de frappe. Tiendront-ils le coup face à l'armée sans âme des Exobots? Commençons dès maintenant la partie pour le découvrir. Ennemis en vue. Dragon de mort, au point de ralliement. Alors, 7D, mon gars, à 5+. Restez vigilants, frère. Faites voler les grenades. C'est juste ici. Ça va impacter eux et lui. Je vais cibler d'abord les rouges. 1D, ça fera 5D. C'est pas mal. C'est un beau jet de grenade, ça. C'est un beau jet de grenade parce qu'il y a deux blessures directes et deux touches annulables. Soit les 4. Et le Scarab, on y va. 5 aussi, c'est bien. Même chose. 6 direct. Et ça, ça touche pas. 3 boucliers en moi. Non, c'est impossible. On engage l'ennemi. Mon dieu, qu'est-ce que c'est que ce jet? Pas mal. Je joue les commandos. Début de l'attaque. Je retente. Voilà, on fait la même chose. Ça fait deux boucliers. Conservez la formation d'attaque. Bon, ouais, je vais sortir les jetpacks. Donc jetpack qui fait un mouvement gratos.
de un blanc. Personne n'est plus rapide. Ils ne nous échapperont pas. 4 dés à 4 plus. Voilà, ça en fait 2, ça passe. Ça passe. Sur du 4 plus. Oh, c'est dommage, on l'a vu. On l'a vu, mais... Ouais, mais c'est sur du 4 plus. Eh ben c'est pire. Dans le piège. Oh, ouais, c'est moche. Votre fin est proche. Pour rappel, la grenade flash limitera mes mouvements à la distance blanche et m'empêchera de relancer mes jets de défense. À vos ordres. On va les avoir d'ici. Donc là, j'ai 3 dés et je tire sur du 2+ parce que j'ai pas bougé. Ah, c'est moche, je suis sur du 2+. Je relance. Triple 1, c'est jouable encore. Allez, c'est bon. Ça passe. C'est du 5 parce que j'ai mis mon... La balle d'un doum. Ouais. Il sort de faire mieux. Vu que tu me proposes. Bon combat. Bon, on va faire une grenade parce que j'ai l'impression que dans ce jeu, la grenade c'est l'arme ultime. D6 pour eux. Ça fait 3. B sur 2. Eh ben écoute, ça fait 4 B sur 2. C'est B sur direct. C'est là où ils sont plus nombreux, 6 touches, normal, c'est logique, c'est des grenades. Petite grenade à 6 dés, ouais, sur ça, des petits gars à découvert. Hein. Voilà, là il y a déjà. Et ben voilà. Et ben voilà, il y a une touche direct, une blessure. Un pan et deux sèves. Et deux ADD1. Mais pour la c'est pas possible ça. Je vais tirer sur. On va essayer d'enlever le dernier point de vie qui reste. 5 dés à 4+. Ouais, je vais relancer. Attends, t'as la relance D1. Ah, la relance D1 gratos, native. Oui. Eh ben écoute, on va déjà voir ce que c'est. C'est pas de relance derrière, par contre. Ouais, c'est pas mal. Non, je garde. 3 save. Allez, défense sur du 3. C'est pas mal, ça. Eh, ça me va, parce que j'ai une relance gratuite. S'il m'en reste 2 à annuler, je peux relancer un gratuitement. Ouais, c'est bien. Un PV, donc j'ai quand même une figurine qui saute. Bah, ça divise par 2 l'unité. Et ouais, hein. Donc c'est pas mal. Au combat. Je suis à portée verte, c'est génial. J'en ai toujours rêvé. Attends. Portée verte de qui? Eux. Alors, mets ton gabarit dans l'autre sens. Ah, pardon. Mais c'est quoi cette arnaque là? Cette arnaque là? Putain, le roi des arnaqueurs quoi. Je suis à portée verte, c'est bon. Ça fait donc 5 dés à 4 pouces. Voilà, ça fait 2. Attends, je vais relancer parce que j'ai envie de faire des 6. Allez, voilà, t'as vu la différence? Ah, c'est pas touche. Je me défends sur du 3. Et j'annule tout. Bah oui. Bah je dépense un temps quand tu les relances. Les attaques, j'utilise mon marqueur. Ça va faire 3 dés d'attaque. Ah non, 4 dés d'attaque parce qu'on est à portée jaune. Sur du 2+, parce que j'ai pas bougé. Tu auras un malus sur ta défense. Et hop, voilà, c'est aussi annulé, voilà, c'est easy peasy. Il a tout annulé, c'est Ligo. Nous sommes légion. 5 dés à 4 pouces, on relance les 1. Oh non, j'ai pas fait de 1. Je relance tout. Oh ouais, tu me tentes. Ah, attends, je réfléchis. Ah non, vas-y, prends 4 sauvegardes. Allez, sur du 4. Il faut, il y a un moment donné. Ah bah ouais. Voilà, oh, on subit des dégâts. Alors, il paraît que les grenades c'est assez puissant, surtout quand tu les mets genre par là. Alors on y va, parce que la grenade c'est quand même un petit truc sympathique. Donc à gauche, D6 touches, ça fait 2 touches, c'est pas terrible, mais heureusement je fais double 6. Non, une sauvegarde simplement. Une petite sauvegarde, ouais, sur du 4+. Petite. Voilà, ça sauvegarde pas, j'ai un point de vie qui passe. La deuxième, 6 touches, c'est mieux. Faudrait pas que je fasse trop de 6, hein, pour pas te trop... Ouais, hein, ça serait beaucoup trop moche. Voilà, ça fait 3 sèves. C'est pas mal, c'est pas mal, ouais. Brisez les lignes ennemies. Ah,
J'y vais. Massacrez-les tous. Coup de 3 dégâts, 3 plus, hein, on verra bien. Il y a un peu de chance, je vais relancer. Hein. Voilà. Oh, ça va péter. Je vais commencer par les lourds. Le premier jet de dés sur les lourds. 1, c'est beau. C'est bien, c'est 3. 5, il y a une touche normale. Allez, 3 plus. Vas-y. On passe à l'infanterie. 1 aussi. 4, touche normale. C'est trop fort les grenades. Ah, c'est trop fort les grenades. Hein. Oh, yes, ah là là. La grenade foirée. Je vais attaquer maintenant les oranges. Une attaque normale. Il va balancer une grenade de façon à ce que ça touche que lui quoi. Bon regarde déjà une petite grenade qui est lancée nonchalamment, qui va juste bah voilà nonchalamment, ça fait pas grand chose, alors rien du tout. Rien du tout. En fait tu l'avais posée là, c'est ça? Je préférais qu'elle disparaisse. T'as été la rechercher, tu t'es dit mince. J'aime pas les grenades, je te l'ai dit, donc voilà, je préfère jouer sans. Ce lieu sera à nous. Alors ça va un de plus. Facile. Nous tenons l'endroit. À la fin de chaque tour de jeu, plusieurs événements peuvent se produire. Tout d'abord, chacun des joueurs va gagner un point de victoire pour chacun de ses drapeaux placés sur un objectif. Position sécurisée. Sur ce tour, Michael en a retiré un des miens, mais n'a pas eu le temps de poser le sien. Ensuite, les véhicules peuvent récupérer des boucliers sur un jet de dés à 5+. Chaque réussite régénérant un bouclier. Pour finir, Michael retire sa navette de transport de troupes pour la redéployer au début du tour suivant. La zone de déploiement est choisie en secret par Michael avant le début du tour. À 4+. Oh là là. Écoute, c'est pas mal ça. Du coup, je pense que je vais lancer. Non, mais si, j'aime. Je ouais, pense que j'aime. T'es pas obligé, tu sais. Bah, si, mais c'est histoire de défoncer tous mes points. Non, voilà, regarde, ça commence. Tu veux que je le relance parce qu'il est pas dans la piste? Oui. Allez, si tu veux, je fais un 6, ça fera les pieds. Très bon double, je te rappelle, ça fait 4. Ah, j'en ai eu 2, ceci dit, c'est pas si mal. On engage l'ennemi. Tu peux pas brûler ses souffrances plutôt que perdre du temps à essayer de le sauver. Hein. J'ai pas l'option c'est suicide avec tes points d'action. C'est cool. Repli. Destruction. Destruction. Attaque de fusil Ionico Blasto. Lourd. Défense à 3D sur du 3+. Et ça saute, messieurs dames. C'est fort. Quel spectacle. Menez-nous au combat. Je vais tirer directement sur eux. Portée verte. S'il est sur le 4+, ça va commencer des 1. On a dit, il a roulé sur le. Ouais, ça me va. C'est parce que je peux pas lancer. T'as pas vu, j'ai fait. J'ai fait des passes avec la main comme ça. Bah oui. Bah écoute, je repars d'un. Hein. Ça va péter. Allez, on va commencer par les unités volantes. 6, c'est bien ça. Ça suit pas mal. Les touches directes. Et 3 touches normales. Ouais, ça fait un mort. Un mort. Allez, l'officier cette fois. 4.
une touche directe. Hein, et bah écoute, je vais la prendre pour faire plaisir. Oh, ça me fait tellement plaisir. Ah, conservez la formation d'attaque. Nous voyons la cible. Début de l'attaque. Ils vont connaître la douleur. Si il y a 4 plus, on relance les 20, j'en ferai pas. Ah, j'en ai fait un cadet, genre. Ouais, ça va. Ah, une touche sur 6, ça compte pas tout. Aïe, 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 on fait 5. Allez, on y croit. On a 3, c'est pas mal. Ok, alors je tente d'enlever le drapeau. 3 plus, ça passe. Oh, le drapeau qui tombe, tu files, ça. Donc, j'essaie de remettre mon drapeau là-bas pour un point d'action. Résultat 2 plus. Pas de 1. Et vu qu'on est là, et ben on va rester là. Et on va attaquer à portée verte. 4D sur du 4 plus relance des 1. 3 touches. Oh, sauvegarde à 4. Ah, sur du 4 plus. Oh, les 6 contre 12. Ah ouais, en plus. Oh là là, c'est pas mal. Faut que t'en enlèves un quand même, parce que je suis à couvert, mais malgré tout, ça pique. Je peux payer un point d'action et t'en faire relancer 2. J'avance. Voilà. Donc, il y en a une qui saute. T'as une autre règle spéciale pour encore enlever les touches ou pas, non? Je laisse le public juger. Donc, je vais activer celui-là. Je vais remettre mon marqueur que j'avais utilisé précédemment. J'attaque. Et je réutilise mon marqueur. 2D sur du 3+. Et je peux pas relancer. Voilà, c'est fini. Ok, je vais activer. Juste au cas où, je vais donner un point d'action à lui. Et je vais attaquer les 3 loustiques qui sont là, sur les 3 plus. Ça fait 5 touches. Essayez de manquer. Voilà, c'est bon. C'est bon. Ah, bien joué. C'est gagné. Ah, c'est bien joué, ça. Pas de pitié. Conduisez-nous à la victoire. Moi, je vais dresser le drapeau parce que ça serait quand même dommage. C'est fait. À vos ordres. On engage l'ennemi. Voilà, je peux lancer les 1 parce que je suis une infanterie. Ouais, ouais. Ah, c'est beau. Le double 3, ça fait pas plaisir. Et je peux pas relancer parce que je suis flashé. Je fais une figurine. Franchement, il a fait le taf, le mec. Grave. Il a grave fait le taf. L'ennemi est dans nos viseurs. Notre visée est fiable. Elle est sur du 3. 4, c'est la 4. Ça me va, ça. Ah là là, ça fait... Oh ouais, une figurine d'un coup. Le chef, il va courir. Je vais briser leur âme. 2 à 4 plus, ça passe. Du temps de... Je fais la même. Donc on est ici à bout portant, ici la même sans bouger. On va juste comme ça. Voilà. 4 à 4 plus, je peux relancer les 1 nativement. Absolument. Absolument, c'est raté. Je fais 2 sur. Donne-moi du challenge. 3. Allez, 3. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Ça
Régénération de bouclier, c'est parti. On commence par lequel? Le scarab à gauche. Celui-là, il récupère 2. Le scarab à droite. Il récupère 1. Léviathan en approche. Je relance. Oh, 5 dés sur du 4, tain, c'est chaud hein. Ça se fait. Oh, j'en ai eu 4, c'est pas mal ça. Ouais, sur l'an c'est pas mal. Ouais, certainement pas. Le Léviathan peut dépenser tous ses points d'action pour attaquer deux cibles différentes. Je commence par attaquer l'officier. Allez, on y va, c'est parti, sur du, on a dit 3+. 4 à 3+. Ah, une relance gratuite parce que c'est l'officier. Oh, magnifique. Et je vais tirer sur lui maintenant, à portée bleue, ce qui me fait un total de 4 dés sur du 4+. J'ai qu'un 6, mais ça fait 2 touches quand même. Je suis à 3D, sur le plus, avec relance des 1, il y en a. Oh. Ah, bon, moi je vais activer lui, il va faire tomber le drapeau sur un 3+. Ouais. Il va le remonter sur un 3+. Voilà, oh là là. Bah, du coup, il va quand même tirer, on sait jamais, hein, à 3D. Là j'ai 4 dés sur du 4+, encore. J'ai un 1, je vais le relancer. Il y a 2 touches. Sur la D4, je serre les fesses. Ouh. Double 1. Heureusement il me reste un point de vie. Voilà, c'est juste pour l'ascenseur émotionnel. Il reste un point de vie. Lui il va tirer sur lui là. 4 dés à 4+. Ah bah c'est tout. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on fait. Joué, brother, quoi. Comme ça qu'on fait, brother. Et bah maintenant, j'ai envie de dire, je pense que c'est le moment de rappliquer. Là. Nous tenons maintenant. Répondez, coup pour coup. Un 3+. Je flingue, hein, sinon c'est la fin. Hein. Voilà, les 3 touches. Super. Le mec qui se dit, ah, je vais enfin pouvoir m'en débarrasser. Peut-être un point de victoire. 3 dés à 4 points. Ah, oh, bah il est mort. Nous voyons la cible. Ah! Menez-nous au combat. On aligne nos cibles. Notre visée est fiable. Pour les quelques actions qui vont suivre, c'est moi-même qui vais vous expliquer ce qu'il s'est passé, puisque bien évidemment, comme sur tous les tournages, on a eu quelques petits soucis techniques. Pour commencer, le sniper Exobot qui était seul sur le côté du terrain élimine l'un des deux snipers Space Marines en utilisant sa compétence spéciale. Nous voyons la cible. Ensuite, l'unité lourde Space Marines attaque l'unité lourde Exobot et lui inflige une blessure. Après quoi, elle se rend sur l'objectif et parvient à remplacer le drapeau ennemi par le sien. Objectif acquis.
Malheureusement, l'unité lourde Exobot s'empresse immédiatement de récupérer la zone, puis attaque le Space Marines lourd pour lui retirer 2 points de vie. Bon, vu que j'ai l'initiative, je pense que lui, vu qu'il n'a plus qu'un seul point de vie, je l'ai activé. Donc tout de suite, direct, un petit tir pleine tête, voilà, à bout portant. Bon, s'il le rate, ça va monter les mauvais. Sur les 6, ça fera double touche. Double peine. Aïe, aïe, aïe. Une touche. C'est la loose. Sur du 3 en plus. C'est la loose. Ça saute. Je vais d'abord tirer sur lui. 3D sur du 3 plus. Si je ne m'abuse, absolument. Ça fait 3 touches. Je ressens que c'est ta phase là. 3 phases à 4. Allez, oh là là, il est bon. Dommage. Bon, cela dit, je vais quand même dépenser un point d'action pour retirer le drapeau. Voilà, je l'enlève. Et vu qu'il n'y a pas de contestation, je vais utiliser mon dernier point d'action pour le poser. Le boss ici, 6 attaques à 3 plus sur le pauvre mec essayé là, voilà. Ça en fait 4, je garde. Et ben, c'est 4. Rien. Pas mal 4. C'est un sans rien. C'est ouf parce que là. Non, c'est, oh, c'est dommage. C'est terrible. C'est dommage, 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 dommage. Ah là là. C'est complètement dommage. Et ça part. Avec les 6 kicks, on double. Okay. 2, 3. 3 save. J'ai fait un 6. Ah oh, bah il est mort. Je vais tenter de déjà retirer le drapeau ennemi sur du 3+, puisqu'il y a une contestation. Je le retire. Et je tente de poser le mien sur le 3+. Ça ne passe pas, parce que c'est un 2. Eux, ils vont tirer sur lui à bout portant. Là, ça fait 6 bastos. À 4+. Ça fait 2 touches. Ils vont relancer. Parce que je sens qu'on arrive à la fin de la partie. Ils commencent à être fatigués. Ils sont mauvais. Ils sont mauvais. Le bain d'huile, voilà. Il est là. Voilà. T'en fais 5 quand même. Il y en a 5 quand même. Il y en a 5 quand même. Ah ouais. Sur du 3. Et ça s'imponit. Ça se fait. Ouais, avec une petite relance. Allez, la relance ultime. Et ben non ! Et ben on est sur du 4D. Et c'est sur du 2+. Et donc 4 touches, soit 4 boucliers qui sautent. Bah lui écoute, il va être en mode je crache. Je crache, stylé. 4+. Et 6 qu'on double. 3. Oh, comme tout à l'heure. Donc je paye un point d'action avec les commandos pour te faire relancer 2-6. Super mal hein, comme mec. Hein. Tiens. Ah, il y en a quand même. Ça fait 6 touches même. Allez, 6 c'est, ils vont y croire. On y croit en plus, c'est, vous n'y croyez pas. On attend. Faut qu'il tombe. Il tombe. C'est bien, ça fait 2 touches, dont le 6. Alors le 6 sur du 6, voilà, on le fait. Et non, l'autre sur le 4. Raté. Alors le 6 que je relance sur du 6. Ouh, non, c'était pas l'autre. Ah, c'est dommage. L'inversion. C'est pas grave, ça fait qu'un point de vie perdu. Bon, on va jouer avec eux là qui vont descendre. Oui, faut se mettre au contact, on sait jamais. On sait jamais, ça sert à quelque chose. Je vais d'abord faire tomber le drapeau pour un 2+. 2+. Pour un petit 1. Bah, j'en ai fait 6-1. Il tombe. Et tu le relèves. C'était 2 points d'action. On va te tirer dessus quand même, on sait jamais. Des fois qu'on te flingue la tête, ça me fera plaisir. Faisons ça. 3D à 3+. Et ben moi je vais payer un point d'action, je vais faire relancer 2 touches. Et quel relou. Quel relou.
un dé à défendre sur du 3. Eh ben non, c'est un 1 et je peux pas le relancer. Punition. Je vais enlever déjà les deux marqueurs de recharge que j'avais dessus, parce que j'avais fait deux attaques sur le tour d'avant. Je vais tenter d'attaquer lui là-bas. 4 dés sur du 3+. 3 touches. Il n'y a pas de 6. Et je peux pas relancer de toute façon. Sauvegarde. Voilà, c'est bon, il fait plus que survivre. Oh là là, c'est propre ça, regardez ça. Alors, on va faire un tir de sniper sur lui, il ne bouge pas. Je consomme ma balle d'un doum, donc 2 dés à 3+. Les deux passent. Bah oui, la balle d'un doum, j'ai pas de couvert de toute façon, parce que tu les annules. Ouais, ça me fait 2 annulations sur du 4+. À moins 1, j'utilise ma balle d'un doum. On y croit, on y croit, on y croit. Non. Allez, débarrasse-moi. Et je peux la relancer, il me reste un point d'action. Punaise! Voilà, une sauvegarde. On vient ici, au contact du drapeau. Après, on va tenter sur un 3+ de virer le drapeau. Oh là là! Ah, c'est un 2, c'est dommage! Oh là là! Je vais tenter à nouveau le drapeau. Comme drapeau. C'est vraiment trop une bille. Voilà. Est-ce qu'il le relève dans la foulée avec le dernier point d'action qui me reste sur un 3+ à nouveau? C'est beau. Mmh. Belle capturation. C'est un mot qui existe. Capturation. Bon, allez, à 4+, on relance les 1. Aïe, aïe, aïe. Le craquage des unités d'infanterie. Un bouclier, oui, tout à fait. Deux boucliers sur le scarab. Non. Un bouclier sur le Léviathan. Eh ben non. Alors, 6 attaques à 3+. Je suis là. Regarde bien. Je garde ces 4 là. Non, il y a plus. Faut que je jette les miens. Sinon, ça passe pas. T'as fait furieux. Ouais, ouais. Allez. Wouh! Protection! C'est le relou. Sur 3+. Sauvegarde la carte, encore une fois, il faut résister. Le scarab est connu pour sa résistance, il me reste un point de vie. Wouah, c'est chaud, patate! Je crois que ça va être l'activation du scarab là. Voilà! Le scarab, il vaut mieux qu'il tente là. Et bah, Scarab, il va juste cracher sur les mecs. Il est à 4+. Et 3 sauvegardes sur 4. Il m'en ouvre. Utilise la balle Doom Doom. On est à 3D sur du 2+. Peu importe. Ok, 3 save. Allez, 3 save. 3 save à 5 plus. Bah écoute, lui il va faire un coup de sniper en balle Doom Doom là, ici là. 2 dés à 3+ en balle Doom Doom. Doom, c'est à 5. Non, pas de relance. Terminé. Allez, je tente une prise de drapeau. Un premier dé sur du 4. Compliqué. Raté. Sur du 4. Et c'est la fin. Ah là là, là, là tu là peux là le faire tomber maintenant. Ouais, je peux essayer de le faire tomber. Et si j'arrive pas à le faire remonter. Ouais, c'est ça. Hein. Le chef qui sait que je monte là-dessus. Là, sur le 4+. Voilà, je le fais moins tomber. Il y a du spectacle. Je le fais tomber et on espère juste qu'il va pas remonter. Bon, je le laisse pas trop loin quand même. Bon, justement, mon mec en rouge, il va tuer le suspense dans l'œuf. Sur un 3+, il remonte. Oh, voilà. J'ai vu le 1 passer. Pour la gloire. Il close avec 1 dé à 5+, regarde, 1 dé à 5+. Raté. Il relance.
Il lui reste un point d'action. Il y croit trop. Il relance. Ah, il relance dans la piste à dé parce qu'il n'y a que la piste à dé qui compte. J'aurais bien dit à toi, mais de nouveau, ah non, tu fais exprès de tirer d'unité. Je ne peux rien faire. Et que j'envoie mes deux unités de close en charge. 2 dés sur du 5 avec une relance. Allez, il y en a deux quand même, hein, c'est la vache. Bon. Allez, on y croit. Avec des droïdes sur du 3+, de protocole. Allez, double 3, et qu'est-ce qu'il y a pas, hein? Bah non. Pourquoi je les relancerais? Oh là 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 là. Déjà, est-ce qu'il nerf là? Oh non, attends, je lance pour qu'il n'ait plus. Il y en a un. Il y en a un. Sauvegarde-moi ça si tu peux. On y croit, on y croit, on y croit, on y croit. Wouh! Ok. Là, il va alors jusqu'au boulot officier. Sur du 6, mon officier. Non, sur du 6, le méga en rouge. Oui, oui. Il décède. Et sur du 6, les doubles gars. Non. Fin de la partie! Alors, les drapeaux verts. Attends, je les vois plus là. Je les vois plus là. Je les vois plus. Nous voici arrivés à la fin de la partie. La capture des points stratégiques a donc mené au score final de 9 pour Michael et 6 pour moi. Des objectifs secondaires propres à chacun d'entre nous vont nous permettre de marquer de nouveaux points. L'objectif de Michael était de supprimer le plus d'unités ennemies sur le terrain. Il parvient au final à me détruire 8 unités entières, marquant ainsi 8 points supplémentaires. Et de mon côté, l'élimination d'un scarab pouvait me rapporter 2 points supplémentaires et je pouvais aussi marquer 1 point par unité d'infanterie détruite. Ayant détruit 2 scarabs et 2 unités d'infanterie entières, je marque donc 6 points supplémentaires. Au final, le score total est de 17 points pour Michael et 12 points pour mes Space Marines. C'est donc une super belle victoire pour Michael que je remercie sincèrement pour l'intérêt qu'il porte au jeu et pour son implication ainsi que son accueil. Merci bro. Et bien évidemment, merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle partie. Ciao.